Invité sur Europe 1 samedi, David Douillet a fait part de son inquiétude pour l'Euro 2016. Alors que la menace terroriste reste très élevée en France, l'ancien judoka a pointé du doigt les fameuses fan zones, ces espaces en plein air qui seront destinés aux supporters. Plus particulièrement la fan zone qui se situera sur le Champ de Mars et qui pourra accueillir près de 90 000 personnes. C'est trop dangereux, 100 000 personnes sous la tour Eiffel, un monument qui est un objectif de Daesh, c'est leur apporter sur un plateau quelque chose qui pourrait être abominable pour nous. C'est insurgé David Douillet au micro d'Europe 1. Le député Les Républicains des Yvelines a lancé un appel à la conscience, jugeant complètement irresponsable de rassembler des centaines de milliers de personnes chaque soir pendant un mois. Alors que la finale de Coupe de France samedi à Saint-Denis a fait ressurgir plusieurs failles dans la sécurité, les fan zones sont plus que jamais au cœur de la polémique.